Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo carte avec les stickers de chez Action que j'ai acheté récemment. J'avais envie de faire une petite carte en fait avec ces stickers-ci et j'ai acheté aussi sur le thème plus automnal. Donc là, je vais commencer, je sélectionne quelques stickers et je vais venir les découper pour en faire en quelque sorte des die cuts. Donc une fois que c'est découpé, voici ce que ça me donne. Donc j'ai essayé de les découper vraiment au plus près pour ceux que je pouvais. Par exemple, le cadre là, j'ai vraiment coupé à ras. Je vais travailler sur une base grise et un pochoir mûr. Et je vais venir en fait appliquer l'encre. C'est la Lawn Fawn et c'est la couleur Yeti. Donc vous allez voir, je vais faire un premier essai en fait. Je vais faire tout à la suite. Et je pense pas que vous le voyez quand je vous le montre de plus près. Mais comme l'encre n'était pas sèche, j'ai eu une démarcation en fait par rapport à la largeur du pochoir et du coup j'aimais pas. Donc en fait vous allez voir qu'après ce que je fais c'est que je le fais en plusieurs étapes, j'applique et je sèche entre chaque mouvement de mon pochoir. Et donc là je fais un mouvement circulaire comme je ferais avec mes distress, mais ce que j'ai fait en fait aussi c'est que je suis venue tapoter pour avoir un rendu autre parce que je trouvais que ça faisait pas net quand on le faisait en cercle, tandis que là en tapotant j'arrive à avoir quelque chose pardon, quelque chose de bien net. Du coup, je vous laisse avec la vidéo. Je sais pas si je vais revenir parce que franchement, après, c'est simplement du collage. J'ai mis également en 3D certains stickers. Et voilà, franchement, c'est pas une carte très compliquée. Et la base, je vais vous le dire maintenant, que j'ai collé tout ça, c'est sur du papier basil, c'est la couleur Vanilla, pardon, et elle est un peu rosée, c'est vraiment un papier que j'aime beaucoup et je trouve qu'avec le gris ça va très très bien. Donc je vous laisse en musique avec la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, je cherche mes mots là, il est tard, il est près d'1 h du matin. Donc je vous laisse en vidéo et comme d'habitude à la fin vous allez avoir des petites photos. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!